Peggy 12. Chaîner, c'est un projet qui me tient énormément à cœur puisque je l'ai commencé il y a presque 20 ans. J'ai appris à dessiner avec cette volonté de créer cet univers. En 2009 à peu près, donc j'ai rencontré Azen, et donc gros fan de jeux vidéo comme moi. En me faisant découvrir sa bande dessinée, je lui ai proposé de faire un jeu vidéo. Lorsque le projet a atteint une certaine maturité, on s'est dit qu'il était peut-être temps de faire un Kickstarter. C'était la meilleure façon pour nous de savoir si vraiment ce jeu allait plaire ou pas. Kickstarter, pour nous, ça a été quelque chose d'assez fort d'un point de vue communication, dans le sens où on a pu montrer notre projet au monde entier, mais aussi ça nous a permis d'avoir des gens qui nous suivent. On a un vrai retour en fait sur le travail qui est produit. Ce projet m'a permis de composer ma première grande OST. Donc mon objectif est vraiment de raconter une histoire via la musique. La particularité de notre jeu, en fait, c'est qu'on a mixé un RPG avec un jeu de baston. Donc un système de combat très rapide, très nerveux, qui utilise à la fois les mécaniques de jeu de rôle et de jeu de combat classique, donc avec des gardes, des parades, des esquives, des combos, enfin toutes ces choses-là. Donc vous incarnez 5 personnages. Chacun de ces personnages, en fait, a une capacité propre qui lui permet de résoudre des énigmes et qui est aussi affiliée à un élément, comme le feu, la terre, l'eau et l'air. Leurs affinités, elles servent aussi au combat. Donc plus un personnage a une affinité feu fort, plus ses sorts de feu font mal. Et à côté de ça, donc, on a la partie jeu de rôle, donc avec la notion de choix. On s'inspire des RPG japonais, mais on s'inspire aussi des RPG occidentaux, ce qui nous a permis en fait de mixer plusieurs idées, comme le fait d'avoir des zones plutôt linéaires, d'autres un peu plus open world, ce qui va enrichir vraiment votre expérience de jeu. Pourquoi avoir créé un langage? Il y a une immersion encore plus profonde dans l'univers. On a vraiment l'impression de voyager dans un monde onirique, quelque chose qui n'existe pas, on n'a plus du tout les pieds sur terre.